L'élection Miss France 2024 aura lieu le samedi 16 décembre 2023 au Zénith de Dijon. Nadine Benabou, Miss Midi-Pyrénées, espère bien remporter la victoire. La suite après la publicité, elle fait partie des 30 candidates à concourir pour le titre de Miss France 2024. Le samedi 16 décembre 2023, Indira Ampio couronnera une nouvelle reine de beauté au Zénith de Dijon. Parmi les prétendantes, Nadine Benabou représente la région Midi-Pyrénées. La jeune femme de 22 ans, qui se dit timide, manquant de confiance, est pourtant une habituée de ce type de concours. Elle avait effectivement été élue Miss Hautes-Pyrénées en 2021. Avant de passer au cran au-dessus cette année. Le comité Miss France l'a choisie lors d'une soirée haute en couleur organisée au château de la Garrigue, à Villemur-sur-Tarn. Nadine Benabou est titulaire d'un baccalauréat professionnel accompagnement soins et services à la personne et a travaillé auprès de personnes âgées à l'hôpital de Les Grottes, à Tarbes, ville dont elle est originaire. La cause qu'elle souhaite défendre est la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Nadine vit un rêve éveillé, explique Joris Fourcade, le président du comité Miss Hautes-Pyrénées à la Dépêche. Même si elle s'est préparée pour Miss Midi-Pyrénées, elle a été très surprise de remporter l'élection. Une Tarbaise à Miss France, c'est exceptionnel. Nadine Benabou mesure 1,71 m. D'origine marocaine, elle a un goût prononcé pour les voyages et les randonnées. Elle a vécu pendant 7 ans en Norvège pour accompagner ses parents lors de mutations professionnelles. Dotée d'un caractère bosseur, déterminée et ambitieux, elle parle 4 langues au total dont le norvégien et le suédois. Je n'arrive pas à réaliser que dans quelques jours, l'aventure Miss France débutera pour moi. Je porterai fièrement les couleurs de notre région et de ses valeurs à l'échelle nationale, assure-t-elle sur son compte Instagram. Je suis impatiente de vous emmener avec moi dans la suite de cette aventure qui s'annonce magique. Je vous remercie du fond du cœur pour tout le soutien et la bienveillance que vous m'apportez. Je me sens tellement reconnaissante de ce que je suis en train de vivre. Sera-t-elle élue Miss France 2024? Réponse dans quelques semaines. La suite après la publicité.